Donc voici, en ce 1er novembre, j'ai eu l'idée, donc hier, dernier jour d'octobre, de rendre un hommage tout simplement à quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai récupéré en vidant un appartement et que j'ai pas envie finalement d'oublier. Donc tout simplement, donc j'ai pu restaurer lors de la fête de la châtaigne et de la citrouille à Millas ce cadre. Tout simplement avec ce jeune homme, à l'époque certainement un peu plus vieux aujourd'hui, vu la qualité du cadre, donc avec son bois en marqueterie, sa dorure sur les côtés, dont on peut voir tout simplement. Et ce surcadre en plâtre et or qui sera nettoyé prochainement. Tout simplement parce que j'avais pas les produits sous la main, tout simplement, et que l'idée m'est venue de dire voilà, ben tiens, comme il y a une fête, pourquoi pas faire une restauration d'un cadre ancien. Ça peut être original et montrer une autre facette du métier de menuisier ébéniste. Et que ben, finalement, dans ce 1er novembre, faut qu'il y ait la Toussaint, et où il faut tout simplement penser à nos anciens. C'est pas mon ancien, c'est un ancien. Mais une chose est sûre, c'est que cet homme que je ne connais pas, eh ben, j'ai beaucoup de respect pour lui et je vais tout simplement ben, le garder. Donc dès que j'aurai ce qu'il faut, c'est le cadre doré qui sera tout simplement réparé. Et tout simplement, cet homme qui n'a pas de nom, que je ne connais pas, eh ben, sera toujours tout simplement ben, un peu vivant, loin de chez lui. C'est vrai, mais toujours vivant. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut penser. C'est tout simplement à respecter les anciens. Les anciens, c'est l'image, le souvenir, bien évidemment, qu'il faut garder. Et c'est très, très important. Et si on lui a fait à ce brave homme un si beau cadre avec de la dorure, c'est certainement qu'il le méritait. Il a certainement eu une belle carrière, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que son cadre est en sécurité, que dans son cadre, il restera au milieu. Et oui, la photo est un peu abîmée, mais le souvenir restera ainsi tel quel. Et n'oubliez pas que tout simplement, bah, les métiers d'art, c'est chez moi, mais c'est aussi chez tant d'autres, parce que moi, je ne restaure pas l'or, hein, par exemple. Donc, faut pas me demander forcément de restaurer l'or. Je vais le nettoyer parce que je sais le faire, mais le restaurer, je n'en suis pas compétent. Et pour être compétent, il faut le faire régulièrement, hein. C'est pas une fois qu'il faut le faire. Donc, il y a des gens qui savent très très bien le faire. Il faut pas avoir peur de faire appel à eux. Donc, tout simplement. Donc voilà, ce très beau cadre ancien comme on n'en fait plus aujourd'hui. Donc voilà, avec un beau portrait, une dorure absolument magnifique, hein, avec des fleurs de très très belle facture, vraiment. Alors j'ai nettoyé parce que c'était les chauves-souris qui avaient pris la place tout simplement, vu qu'ils habitaient au-dessus du cadre. Il y avait un nid de chauves-souris, donc il fallait vraiment le nettoyer. C'est un gros travail qui a été fait de nettoyage. Mais vous voyez, la force du bois, c'est toujours d'être utilisé, malgré que ce marquetage est particulièrement fin. Donc regardez cette dorure, c'est vraiment très très joli. Et dans quelques mois, dès que j'aurai ce qu'il faut, cette dorure va rebriller de manière à refaire vivre toute cette beauté de l'époque. Donc voilà, je voulais vous le présenter dehors au soleil, à la lumière. Là, je suis au jardin, le soleil va se coucher et je vous laisse avec ce portrait. Peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit passage tout simplement en extérieur sur mon travail. Et je vous dis à très très bientôt et surtout pensez à nos anciens, à ce qu'ils ont fait, à ce que nous faisons et ce que nous ferons.
par la suite, qui doit être toujours dans une même droite ligne. C'est mon avis, c'est mon sentiment, et c'est tout simplement, c'est toujours du passé que l'on fait le futur. C'est sur ces mots que je vous dis à très très bientôt. Merci.